Bonjour les amis, nous sommes devant le 19 boulevard de l'Essert. Et le 19 boulevard de l'Essert, c'est là où Édouard Balladur réside. Alors Édouard Balladur, je ne sais pas si tout le monde se souvient de lui. Est-ce que tu te souviens d'Édouard Balladur? Oui, c'est l'ancien Premier ministre. Oui, de 1993 à 1995. Il avait été aussi secrétaire général de l'Élysée sous Pompidou. Et c'est lui qui avait dirigé la France pendant un an, disons, puisque Pompidou était très malade en 1973. Donc c'est lui qui a gouverné, on va dire, la France de 1973 à 1974. Officieusement. Voilà. Officieusement. Ouais. Donc voilà, et puis il s'était présenté donc en 95. Exactement, au présidentiel contre Chirac. Et il a perdu Jospin. Voilà. Il a perdu de peu au second tour, mais il y a eu quand même quelques petits problèmes avec le financement de sa campagne. Il n'avait pas de parti. C'est original. Donc, elle était sans étiquette. Non. Non, il était c'était RPR. Non, bah, le RPR qui soutenait Chirac, mais il y avait pas mal d'UDF. UDF, voilà, c'est ça, UDF. Bien qu'il venait du RPR. Hein, donc. Et en fait, toujours. Donc là, je suis dissipé là. Il a fallu un peu d'argent, quoi. Et comment il a trouvé son financement? Alors ça, on en reparlera peut-être plus tard. Bah si, c'est ça, c'est important. Ouais. Il paraît-il que c'était la vente des t-shirts, des pins. C'est une blague. Oui, plus de 10 millions d'euros quand même. Ah, ouais. Ça représente des t-shirts et des alors, pins. Alors il y a un volet... d'euros, à l'époque, les euros. En francs, à l'époque. Il avait comme directeur de cabinet... Nicolas Bazir. D'accord. Et okay. Nicolas Bazir, c'est le numéro 2 d'LVMH. Revoilà Bernard. Ah, voilà, le revoilà. Une fois, deux fois déjà. C'est continuel, c'est perpétuel finalement. Et là, il a été condamné, je crois, à 3 ans de prison. Là. Vous avez de l'affaire Karachi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Les commissions occultes, voilà. Les rétro-commissions. Les rétro-commissions occultes sur l'affaire Karachi. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'affaire Karachi en deux mots. C'est-à-dire que la France a vendu... alors, je crois qu'il y a les vedettes aussi soirées à l'Arabie Saoudite, je crois aussi. La France avait vendu des sous-marins, je crois, ouais. Fabriqués par la DCM de Cherbourg. Bon, ça se passait bien. Et tout d'un coup, il a fallu mettre dans l'affaire des entremetteurs, quoi. Dont Takiadine. Vous connaissez Takiadine? C'est lui qui accuse Sarkozy de s'être fait financer par la Libye. Par la Libye et Kadhafi. Voilà. Alors, il change de temps en temps de version. Bon. C'est très tordu finalement tout ça. Oui. Ou très complexe, tordu, oui et non. Takiadine, on a imposé Takiadine pour qu'il prélève du fric. Qu'il en prenne une partie et qu'il prélève du fric sur les transactions, soit des commissions. Commission. Et qu'il en rétrocède une partie. Qui financerait la campagne d'Edouard Balladur. Voilà. On l'a imposé, ça, le jugement qui est tout récent, hein, bien qu'il a été imposé, alors qu'on n'avait pas besoin de lui dans cette affaire. Donc, il y a eu des condamnations, il y a Denis de Vabre aussi qui était dans le cabinet de Léotard, qui a été condamné. Denis de Vabre qui est président, donc qui est membre, je crois. De Philippe Léotard, hein, pas François. Voilà.
et qui a été condamné aussi dans cette affaire par qui a été condamné avec Nicolas Bazire et qui lui est actuellement membre du conseil d'administration de la fondation Louis Vuitton. Décidément. toujours, mais c'est très intéressant finalement, puisque là c'est le deuxième lieu, on va dire, de pouvoir qu'on vous présente. Oh, c'est pas un lieu de pouvoir. Anciennement pouvoir, voilà. Ouais, et encore, c'est hybride, on va dire. Le domicile d'un homme de pouvoir. Voilà. Autrefois, il y avait des policiers pendant des années, il y a eu des policiers c'est vrai ici. Ouais. Tout le temps, en fait. En permanence. D'accord. Ouais, là, il faut dire qu'on est le dimanche de Pâques en plein confinement. On n'a pas croisé un policier depuis 3-4 heures qu'on est là ce matin dans le 16e arrondissement. Mais c'est le dimanche de Pâques, ma très chère. Comprenez quand même. Donc, il y en a qui sont plutôt peinards par rapport à d'autres. Donc, continuons. C'est tellement compliqué. Il y a un tel. Donc, je disais que il y a eu des rétrocommissions. Léotard et Balladur ont été jugés devant une cour spéciale, qui est la Cour de justice de la République. À la différence de Nicolas Bazire et de. Alors, qu'est-ce que c'est cette cour? Alors, répétez-moi. La Cour de justice de la République, qui juge les ministres et les premiers ministres. D'accord, ok. Ouais. Sachant que le président de la République, lui, a une immunité. Ouais. La immunité présidentielle. Ouais. D'accord. Donc en aucun cas, il ne peut être jugé sur une cour, cette cour. Dans l'exercice, ce qu'il a fait dans l'exercice de son mandat. C'est pas standing. Donc, il a été jugé. Léotard a été condamné. Alors, je crois à du sursis. Oui. Et Balladur a été blanchi. Et c'est tout récent. Hein. On a estimé que finalement, les pins et les t-shirts, c'était une explication plausible. Alors, il a fait appel, Léotard. Il était furieux que Balladur soit relaxé. Ouais. Et pas lui. Donc, voilà. C'est pour raconter un petit peu. Écoutez, c'est très intéressant. C'est Balladur, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps, mais voilà. Ouais, c'est ça a été jugé 25 ans après les faits, quand même. Hein. Et comme beaucoup d'autres, beaucoup de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Comment la vie politique. Bon, ça n'a pas tellement changé maintenant, la corruption est différente. On achète des journaux. Des œuvres d'art. Mais on achète des journaux qui vont faire. Publicité de qui vont faire la propagande. La propagande ou la promotion. C'est détourné en fait le plafonnement des commandes et le plafonnement des dépenses de campagne d'une certaine façon. Et puis on a des postes qu'on offre dans les grosses boîtes, tout ça avec des beaux salaires. Bon, c'est une corruption très différente. À l'époque c'était les valises. C'est un petit peu fini, on va dire. Ça a changé, on a changé de paradigme. Non, mais c'est vrai qu'on parle de la corruption en Afrique ou dans l'Europe de l'Est, mais en fait, En France, ça existe. On a des tons à faire à personne ici. Bien sûr que non. Ouais. Écoutez. Maintenant, on va retourner dans un lycée. Le lycée de Saint-Jean-de-Passy. De Saint-Jean-de-Passy, très intéressant. Saint-Jean-de-Passy. Alors, il y a eu des affaires là. Ah oui. Eh bien écoutez les amis, on se redonne dans quelques instants pour la troisième partie. La troisième partie. Merci beaucoup.